Ok, bonsoir tout le monde. Alors, pour la dernière présentation de la soirée, on va vous parler d'apprentissage par renforcement. Alors finalement, dans la présentation de tout à l'heure, Pierre et Thibault vous ont parlé de deep learning, donc d'une application de deep learning notamment sur la reconnaissance de texte, la génération de texte, donc des réseaux de neurones récurrents. Ça, c'est un type d'algorithme pour le deep learning. Le deep learning, finalement, c'était l'objectif d'approximer le fonctionnement du cerveau humain. Je vais essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau processe l'information pour me sortir des nouvelles informations. L'apprentissage par renforcement, en fait, il va essayer d'avoir une vue complémentaire. Donc on va essayer de modéliser comment est-ce qu'un être doté d'intelligence apprend au fur et à mesure de sa vie, en fonction des interactions qu'il a avec son environnement. Donc on va vraiment avoir l'approche différente, qui est, je vais me co comprendre comment l'aspect psychologique, l'aspect philosophique d'une personne va engendrer son apprentissage au fur et à mesure du temps. Ok, bon, on se rappelle tous comment on a appris à marcher. Non? Oui. Bon, généralement, on ne se rappelle pas de ça, mais aujourd'hui, pour nous, marcher, c'est une évidence. Mais en fait, c'était vraiment un long parcours de combattant. Pour qu'un enfant puisse apprendre à marcher, il va interagir énormément avec son environnement. Il va essayer de regarder autour de lui, il va essayer d'imiter ses parents, par exemple, il va essayer d'atteindre des objets qu'il n'arrive pas, qui lui sont inaccessibles, pour généralement les casser. Et puis aussi, il va apprendre aussi à travers ses échecs, ses chutes, ses pleurs, mais aussi grâce aux encouragements de ses parents, les bisous de maman, les chocolats que me donne mon papa. Et puis, grâce à toutes ces expériences, grâce à toutes ces interactions et puis à tous ces renforcements, en fait, l'enfant est capable d'acquérir une nouvelle capacité qui est de marcher. Et donc là, justement, on parle là de l'apprentissage par renforcement, qui est une catégorie à part entière dans le machine learning. Il est à la croisée entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Quand on parle d'apprentissage supervisé, on parle généralement de données labellisées. Donc, on va associer à un dataset de features en entrée, en fait, une catégorie ou une valeur calculée. Par exemple, on va prendre un dataset qui correspond à des features associés à des mails. Et donc, on va leur associer des catégories comme spam, non spam. Quand on parle de l'apprentissage non supervisé, en fait, on n'a pas d'informations sur notre donnée d'entrée. Et donc, justement, on va essayer de découvrir des structures dans cette donnée. Et puis, on va essayer, par exemple, de les grouper selon des mesures de similarité. L'apprentissage par renforcement, par contre, en fait, on va essayer de définir un processus de décision qui est capable de s'auto-optimiser grâce à des feedbacks qui sont des récompenses. Donc, on retrouve un peu la notion de données labellisées, dans le sens où on a des récompenses qui vont nous dire oui, ça, c'est une bonne action, non, ça, c'est pas une bonne action. Mais par contre, ces labels, en fait, ils ne vont pas venir tout de suite, on ne les connaît pas en avance, ils vont être étalés dans le temps. Finalement, quand vous considérez un jeu connu qui est Breakout, on pourrait le modéliser avec une approche d'apprentissage supervisé. Si j'ai à ma disposition toutes les images possibles, toutes les frames de mon jeu et avec le label associé de quelle est l'action que je dois prendre, aller à gauche, aller à droite ou faire un tir, je pourrais le modéliser tel quel. Par contre, ce n'est pas forcément la bonne approche parce que ça nécessiterait d'avoir un jeu de données extrêmement conséquent et ce n'est pas comme ça qu'un être intelligent apprend. Donc, par apprentissage par renforcement, on va se servir uniquement des récompenses, des scores qu'on obtient en tapant les briques pour savoir quelle est ma stratégie optimale pour finalement prendre l'action qui va me permettre de maximiser mon gain, mais pas mon gain tout de suite, mon gain futur. Comment avoir une stratégie optimale pour faire en sorte que je vais pouvoir gagner ma partie ou avoir le score le plus important possible à la fin. Et finalement, là, on se rend compte qu'il y a certains distinguos avec l'apprentissage supervisé. Puisque l'action que je vais prendre à un instant T, ce n'est pas forcément cette action-là qui va me permettre d'obtenir un score directement. Une fois que je touche la brique avec ma bille, est-ce que c'est l'action que je viens de prendre qui me permet d'avoir ce score? Ou est-ce que c'est l'action d'il y a quelques timestakes précédents ou lorsque j'ai bougé mon paddle pour faire rebondir la bille? Donc finalement, c'est ça, cette notion de label retardé. Ce n'est pas l'action que je vais prendre tout de suite qui va me permettre de savoir quel est le score que je vais obtenir. Donc, quand j'essaie de modéliser le framework pour l'apprentissage par renforcement, finalement, on a quelque chose d'assez simple. On a un agent qui interagit avec un environnement. L'environnement, il peut être plus ou moins complexe. Donc, l'agent, il va prendre une action A, et l'environnement, en fait, il va lui répondre un nouvel état, et ensuite une récompense associée à cette prise d'action dans mon état. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, modélisé par ce framework. Et finalement, quand j'essaye
d'avoir toute une séquence de transition entre un état S, une action, une récompense et un état S'. Tous ces enchaînements de transition, ça peut être modélisé par un processus décisionnel de Markov. Où en fait, globalement, je vais essayer toujours de prendre l'action qui va me permettre de maximiser ma récompense future à la fin de ma partie, par exemple. Bon, peut-être ces notions sont encore un peu abstraites pour vous. Et donc, on va commencer par un petit exemple simple. Le système chariotige. Bon, peut-être ça rappelle certains à leur cours de physique, où ils ont essayé de stabiliser un petit système en appliquant des forces à droite et à gauche pour maintenir la tige à la position verticale. Eh bien, on va essayer de faire la même chose, mais avec deux approches différentes. La première, dite approche naïve, et la deuxième, c'est une approche basée sur de l'apprentissage par renforcement. Mais d'abord, essayons de retrouver les différentes notions que Johan vient de dire. Donc là, on va considérer que notre agent, c'est notre système chariotige, qu'on appelle en anglais « cartpool ». Et puis, cet agent, il a un état dans son environnement qui est caractérisé par quatre variables, qui sont la distance parcourue x et la vitesse de son déplacement x', et puis aussi l'angle que fait la tige avec la verticale θ et sa vitesse angulaire. Et donc, mon agent, il est capable d'effectuer deux actions possibles pour maintenir sa tige en position verticale. Et donc, il peut aller soit à gauche ou à droite. Et on va considérer qu'il est en état d'échec si l'angle que fait la tige avec la verticale dépasse un certain angle, on va dire 15 degrés. Et puis, si aussi la distance parcourue par le chariot dépasse 2,4 unités par rapport au centre. OK. Là, on va commencer par l'approche naïve. Donc, comme on a expliqué, notre algorithme va être super simple. Si la tige va tomber vers la droite, mon agent va se déplacer vers la droite pour essayer de rebasculer la tige. Et puis, si ma tige... elle va vers la gauche, l'agent va aller vers la gauche pour redresser la tige. Donc, on va essayer de faire tourner cet algorithme sur plusieurs itérations, qu'on appellera aussi épisodes, et voir comment il se comporte au cours du temps. Donc là, on voit bien en fait qu'il est tout le temps en état d'échec. En fait, la tige, elle est en train de tomber soit à gauche, soit à droite, et il est incapable de la maintenir en position stable, donc à la verticale, sur plusieurs itérations successives. Alors, comment développer une stratégie optimale dans ce cas? On va essayer ici de prendre un deuxième exemple et appliquer cette fois donc l'apprentissage par renforcement. Faire un peu de maths. OK. Vous voulez faire des maths, là? C'est l'heure de faire des maths. Bon, juste un peu, alors. Ouais, ça va être donc, sympa. Tu vas nous parler du Q-learning, qui est un des algorithmes du reinforcement learning. Alors, avant que Samy vous donne l'exemple, avec cette nouvelle implémentation, je vais vous expliquer déjà comment ça marche avec quelques petites formules mathématiques, mais ça va être light. Donc, pour rappel, l'objectif d'un agent, c'est de toujours choisir l'action qui maximise ma récompense future estimée. Donc, pas la récompense actuelle, mais ce qui va me permettre d'avoir la meilleure récompense à la fin de ma partie. Bon, en fait, en disant tout ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit parce que vous pouvez me dire, OK, si je savais quelle action pour maximiser mon gain futur je devais prendre, forcément, ce serait facile. On va essayer de revenir à comment est-ce que je peux calculer ça. Si je suis dans mon état S0 et que je déroule une partie, en fait, je suis passé par différents états à travers différentes actions et à chaque fois que j'ai un nouvel état et une nouvelle action, je vais gagner une nouvelle récompense. Donc, la récompense totale à la fin de ma partie, ça va être juste la somme des récompenses à chaque instant. En fait, dans les environnements actuels, les environnements qu'on utilise dans la réalité, c'est des environnements dits stochastiques, c'est-à-dire qu'à un état donné, quand je prends une action, je ne suis pas toujours certain d'atterrir dans le même état. Et donc du coup, ça, c'est une problématique parce que je ne peux pas utiliser les poids et les récompenses telles quelles. Donc pour faire ça, pour modéliser cet aspect incertain du futur, je vais pondérer chacune des récompenses futures avec un facteur gamma qui va être fixé entre 0 et 1. Donc si mon gamma est égal à 0, ça veut dire que moi, je veux uniquement prendre l'instant T comme référence. Et si mon gamma est proche de 1, ça veut dire que je veux vraiment utiliser la notion de récompense future dans ma récompense totale. OK, bon, ça c'est intéressant, c'est si jamais je peux dérouler la chaîne jusqu'au bout. Maintenant, comment je fais un instant T pour choisir mon action optimale? Finalement, ma formule avec ma récompense totale, je peux l'écrire à partir de la récompense totale à l'instant T plus 1. Donc ma récompense à l'instant T, c'est la récompense de cet instant plus la récompense de l'instant T plus 1 pondéré par mon fameux gamma. Je vais me créer une fonction que j'appelle la Q-value
qui en fait va représenter le meilleur score possible à la fin de mon jeu, après exécution de l'action A dans mon état S. Cette fonction, c'est la fonction magique, c'est-à-dire que si je l'ai, je suis content, je peux savoir quelle est ma récompense finale une fois que j'ai fait mon action. Donc je peux forcément avoir une stratégie optimale. Encore une fois, là, vous me dites, bon, t'es mignon, mais ça veut toujours rien dire, je peux rien faire avec ça. Mais en fait, quand j'essaie de combiner les deux formules, je peux montrer que ma Q-value pour mon état S et mon action A, je peux l'exprimer en fonction de la Q-value de l'état S'. Donc ça va être juste mon reward à l'instant T, plus le gamma multiplié par la Q-value maximale à mon état prochain. Donc je vais chez mon état S, je prends l'action A, j'atterris dans un état S'. Et ensuite, je dois choisir quelle action à l'état S' je dois reprendre. Donc là, je vais maximiser, je vais prendre l'action qui a la Q-value maximale. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de Bellman. Et en fait, j'ai plus besoin de savoir tout ce qui se passe dans le futur, parce que je peux exprimer ma Q-value à l'instant T à partir de la Q-value à l'instant T plus 1. Et donc, toute l'information qu'il y a dans le futur va être comprise dans la Q-value de l'instant T plus 1. Et c'est comme ça qu'en fait va fonctionner l'algorithme du Q-learning. C'est que pour un état S et une action A, je vais définir ma Q-value par rapport à ma connaissance actuelle de mon environnement. Je vais ensuite aller dans l'état suivant et je vais finalement avoir une approximation. Je vais mettre à jour la valeur de ma Q-value en disant qu'elle est égale à mon reward que j'ai obtenu plus gamma multiplié par la valeur maximale de la Q-value pour l'état S'. Donc j'ai juste besoin de savoir ce qui se passe par la suite pour mettre à jour la valeur de ma Q-value à l'instant T. Et au fur et à mesure, par itération, je vais pouvoir converger vers les vraies Q-values, donc qui vont représenter quelles vont être ma récompense estimée future à la fin de ma partie. Bon, vous êtes toujours là? Vous inquiétez pas, on va essayer de reprendre tout ça avec un exemple simple pour digérer toutes ces théories, justement. Et donc là, on va prendre un cas, justement. On va considérer cette grille et on va considérer un agent dans son environnement. Et bien, cet agent, il va d'abord être dans un état... Dans un état initial, donc, qui est l'état S1.1, il va essayer d'aller vers un état final qui est le S2.2. Et il peut passer par des états intermédiaires qui sont l'état S1.2 et S2.1. Là, on va introduire aussi la notion de reward, telle qu'a présenté Johan tout à l'heure. Et donc, on va considérer que s'il arrive à son état final S2.2, il va obtenir un reward de 10, donc une récompense de 10. Et s'il est dans les autres états, bah, il ne va rien avoir, il va avoir une récompense de 0. Et donc, quand on est dans ce cas de figure où on a un espace d'action et un espace d'état qui sont finis et petits, en fait, on peut représenter la Q-function à travers une table qu'on appelle la Q-table et qui va justement montrer ces différents états et différentes actions. Donc là, on va avoir en ligne les différents états et puis en colonne les différentes actions possibles. Donc là, on est à l'état initial, à l'état 0. L'agent n'a pas commencé à bouger encore. Et en fait, donc, les différentes valeurs dans ma Q-table sont égales à 0. Et puis, il y a des états qui sont impossibles. Par exemple, si mon agent est là et qu'il veut aller vers le haut, bah, il ne peut pas. Donc, on marque pas avec une croix. On n'a pas aussi représenté l'état S2.2 parce qu'en fait, bon, c'est l'état final. Il n'y a pas d'action future une fois arrivé à cet état. OK. On va maintenant essayer d'itérer mon algorithme de Q-learning. Donc, on va faire itération par itération et voir comment il avance. Donc, première itération. Mon agent, il est à cet état-là. Et donc, une fois qu'il est là, il va choisir aléatoirement d'aller vers l'état S1.2. Et donc là, il est à cet état-là, il va décider d'aller aléatoirement vers l'état S1.2. Et donc là, on va essayer de mettre à jour la Q-value qui est donc associée au couple état S1.1 et puis aller vers la droite. Et on va appliquer l'équation de Bellman présentée tout à l'heure. Et donc là, la nouvelle valeur donc, de Q-value ici va être égale au reward donc qu'on obtient en allant vers l'état S1.2. Donc dans ce cas, c'est égal à 0. Plus le facteur gamma qu'on a choisi ici 0,2 pour donner de l'importance aux récompenses futures. 0,8, pardon, merci. Et puis, on va aussi prendre la Q-value maximale dans l'état futur. Donc notre état futur va être S1.2. Et ici, la Q-value maximale, bah, vu qu'on est à l'état initial, donc elle va être égale à 0. Donc, si on fait le calcul, on aura une Q-value pour l'état S1.1 et en allant vers la droite qui est égale à 0. Donc, on va mettre à jour ma Q-value. En réalité, ça ne va rien changer. Et on va passer à l'état S1.2. Et à l'état S1.2, pareil, mon agent va décider aléatoirement d'aller vers l'état S2.2. Et donc,
on va mettre à jour la Q-value associée à l'état S1,2 et allant vers le bas. Et on va appliquer l'équation de Bellman. Et donc, on aura un reward qui fait le calcul. Bon, non, je triche parce qu'il y a des résultats ici. Et donc là, si on fait le calcul, on aura une Q-value est égale à 10 parce que mon reward est égal à 10 ici. Et puis, pour les Q-value maxima à l'état futur sont égales à 0 car c'est l'état final. Et on va mettre à jour notre table, etc. Donc là, on a fini la première itération, elle est arrivée à l'état final. On va recommencer une deuxième itération. Donc pareil, mon agent, il est à l'état initial et il va faire son petit chemin. Il va aller vers l'état S1,2 et on va mettre à jour du coup la Q-value. Dans ce cas, elle est égale à 8 parce qu'entre-temps, on a eu des mises à jour dans la table. Ensuite, arrivé à l'état S1,2, en fait, il va décider aussi aléatoirement d'aller vers l'état S1,1. En fait, il veut revenir. Donc, il revient. On met à jour la Q-value associée à cet état et à l'action qu'on vient de faire. Et ensuite, il a dit, maintenant, je décide d'aller à l'état S1,2 parce qu'en fait, c'est l'état qui me permet d'avoir, qui a la Q-value maximale. Donc là, on voit que c'est l'état qui lui donne la Q-value maximale. Donc, il va aller à droite. Et puis, arrivé à droite, il va aller aussi à l'état S2,2 parce que dans sa Q-table, c'est celle qui a la Q-value maximale. Et donc là, il y a une question qui se pose, c'est comment il fonctionne cet agent. Des fois, il choisit des fonctions, il choisit des actions d'une façon aléatoire, et puis des fois, il dit, non, je prends la Q-value maximale. Et en fait, il est dans un dilemme. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, son but, c'est vraiment de maximiser sa Q-value finale. Et donc là, il a deux choix. Il a choix, soit il va choisir toujours les chemins qu'il connaît et qui ont une Q-value maximale, soit il va dire, moi je vais essayer d'explorer des nouveaux chemins et peut-être j'aurai des récompenses plus grandes. En fait, c'est comme vous par exemple, si vous voulez inviter un ami à dîner et puis vous devez réserver un restaurant. Donc vous avez le choix entre votre restaurant italien fétiche qui fait les meilleures pâtes de Paris et comme ça vous n'aurez pas de surprise, ou alors vous dites, je vais choisir un autre restaurant et puis j'aurai peut-être, il sera peut-être meilleur comme un restaurant italien. Ou pas, bon. Et donc, c'est pareil ici, l'agent il est dans ce dilemme-là, il va essayer des fois de faire des explorations et des fois une exploitation. Et en fait, il y a des solutions pour résoudre ce dilemme. Et une des solutions qui est les plus utilisée en matière de reinforcement learning, c'est ce qu'on appelle la stratégie de epsilon greedy. Donc, dans la stratégie de epsilon greedy, on va fixer une valeur epsilon. Et puis, à chaque fois qu'on va essayer de prendre une action, on va tirer au hasard un chiffre entre 0 et 1. Et puis, si ce chiffre il est inférieur à epsilon, on va faire une action aléatoire. Et puis, sinon, on va prendre l'action qui va donner la Q-value maximale. Et donc, par exemple, on peut se dire qu'au début de mes itérations, on peut prendre un epsilon qui est grand. Comme ça, on va favoriser plus l'exploration. Et puis, à fur et à mesure, on va découvrir de nouveaux chemins. Et puis, on va avoir un epsilon plus petit parce que comme ça, on va faire plus d'exploitation. Bon, revenons à notre table et nos itérations. Donc là, au cours des dernières itérations, en fait, la table, elle ne va plus vraiment se mettre à jour parce qu'en fait, elle va se stabiliser. Il n'y a plus trop de mises à jour. Et là, on va parler de convergence. En fait, mon algorithme de Q-learning va converger. Et puis, on aura une table qui est fixe, qui ressemblera à cette table-là dans notre cas. OK. Mais revenons, maintenant, on va appliquer cet algorithme de Q-learning à mon exemple de chariotige. Donc, vous vous rappelez bien, on a dit c'est un agent, on peut le caractériser son état grâce à 4 variables. Donc, il aura plusieurs états et puis les actions possibles vont être aller vers la gauche ou aller vers la droite. Et on va introduire aussi la notion de reward. Et donc, il aura une récompense de 1 à chaque fois que sa tige est en position verticale. Et sinon, il va avoir une récompense de 0. Et donc, il va essayer de maximiser ses récompenses. Donc, on fait tourner notre algorithme sur plusieurs épisodes. Il va faire plusieurs itérations. Et donc là, on voit qu'au bout de 10 épisodes, en fait, il est plutôt en phase d'exploration et il tombe souvent en échec. Donc, on voit bien qu'il recommence à chaque fois, en fait, il recommence à chaque fois les épisodes et puis il recommence les explorations, il tombe en échec et recommence. Au bout de 60 épisodes, en fait, il a commencé un peu à découvrir des chemins qui vont pouvoir maximiser sa Q-value. Et donc là, il arrive de temps en temps à être en position stable, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça et il est encore un peu bête. Au bout de 150 épisodes, en fait, mon algorithme commence à converger. Et donc là, il a exploré énormément de chemins. Et en fait, il va pouvoir maintenir sa tige en position stable durant plusieurs épisodes.
Voilà, donc ça c'était l'exemple du Q-learning qu'a présenté Samé à partir d'un exemple finalement assez simple, puisqu'on peut représenter mon environnement sous forme d'une table. J'ai un sous-ensemble d'états possibles, un sous-ensemble d'actions que je peux prendre. Maintenant, si je prends un exemple un peu plus compliqué et qui finalement me rapporte un business important, le Flappy Bird. Le Flappy Bird, ça vous paraît être un jeu assez simple pour ceux qui connaissent, et finalement, c'est assez compliqué de le décrire. Mon Flappy Bird, mon agent, il doit interagir dans un environnement assez complexe parce qu'il est entouré de différents pipelines qu'il doit traverser. Comment est-ce que je représente cet environnement? Bah, je ne peux pas le représenter tel quel parce que mes images vont bouger, je ne peux pas avoir un nombre d'états fixe. Donc si je veux quand même essayer d'avoir un certain nombre d'états à représenter, je vais devoir prendre les pixels de l'image. Les pixels de l'image, je suis en niveau de gris, c'est si je processe mon information. C'est des images 80 par 80 pixels, une fois que je l'ai retraité. Et en plus, je dois prendre plusieurs frames en même temps pour avoir la notion de déplacement et de vitesse de mon agent. Donc si je dois représenter tous les états possibles, ça me fait 10 puissance 69 000 et quelques états possibles. Donc finalement, en fait, ma Q-table, elle a plus de nombres que d'atomes dans l'univers. Ça devient assez compliqué à converger. Je vais passer 107 ans à converger dans ma Q-table, même si je n'ai que deux actions finalement, flap ou pas flap. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir résoudre ce problème? Je vais pas pouvoir utiliser le Q-learning tel que l'a présenté Samé. Donc je vais devoir faire des choses un peu plus intelligentes, et c'est là qu'intervient le deep learning. C'est là qu'on plonge en eau profonde. C'est-à-dire, on va bénéficier de l'avantage du deep learning à approximer finalement le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire à processer l'information, à capter l'information, la processer et à nous fournir des nouvelles valeurs. Donc en combinant ça avec l'apprentissage par renforcement, où finalement j'essaye d'avoir un processus d'apprentissage à partir d'essais-erreurs, je vais avoir une combinaison gagnante qui me permet de résoudre ce type de problème. Donc, ma Q-table, finalement, je vais l'approximer par un réseau de neurones, qui va être un réseau de neurones convolutionnel dans mon cas de figure, puisque ce sont les types d'architectures qui sont les plus avantagés pour processer des images. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon état S, donc ça va être les pixels de mon image. Je vais les faire traverser le réseau de neurones, et les neurones de sortie de ce réseau, ce sont autant de neurones que j'ai d'actions possibles. Et donc finalement, ce qui va me donner, ça va être la Q-value associée à l'action flap et la Q-value associée à l'action pas flap. Donc finalement, ce réseau de neurones, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'approximer la Q-function et de compresser donc ma fameuse Q-table. Je suis plus obligé de représenter tous les états possibles. Finalement, j'ai beaucoup d'états qui sont corrélés. Mon réseau de neurones va apprendre à partir de ces données d'entrée comment processer l'information. Donc ce réseau de neurones en particulier, j'ai dit que c'est un réseau de neurones par convolution. Les réseaux de neurones par convolution, c'est ce qui est le plus intéressant pour les images, puisque on va tirer parti de comment fonctionne finalement le cerveau humain. Quand je dois interpréter une image, le cerveau, au départ, il va repérer des angles, repérer des courbures. Donc ça, c'est mes premières notions de filtre, ce qu'on appelle mes couches de convolution. Donc je vais appliquer partout dans mon image ces premiers filtres pour détecter les angles, détecter les courbures. Et finalement, je vais agréger tout ça pour obtenir des formes qui sont de plus en plus interprétables. Donc en superposant des couches de convolution, je vais apprendre des formes de plus en plus complexes que je vais pouvoir interpréter comme ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un pipe, etc. Une fois que j'ai fini de processer mon information, donc de repérer toutes ces formes dans mon image, je vais avoir des dernières couches qui sont des couches denses où finalement je vais croiser toute cette information pour me dire si j'ai telle ou telle forme présente dans mon image, alors c'est plutôt lié à l'action flap. Si j'ai telle ou telle forme dans mon image, je vais plutôt faire non flap. Pour ceux qui connaissent un petit peu les réseaux de neurones par convolution, vous êtes habitués à voir que entre les couches de convolution, on va avoir une phase qu'on dit de pooling, c'est-à-dire on va compresser l'information, on va approximer. Je n'ai pas forcément envie de savoir où est-ce que ma forme se situe, mais plutôt l'approximer. Dans notre cas de figure, je n'ai pas de phase de pooling puisque j'ai besoin de savoir où se situe mon agent et où se situe mon prochain pipe pour prendre l'action. Donc c'est la petite différence avec les réseaux de neurones convolutionnels qu'on utilise pour la reconnaissance d'images, par exemple. Donc maintenant, je vais mettre à jour, je vais modifier un petit peu mon algorithme du Q-learning pour utiliser un réseau de neurones. Le fonctionnement est quasiment le même. Je prends mon état S, donc mon image. Je lui fais passer le réseau de neurones, donc c'est l'étape d'inférence, je lui fais traverser le réseau de neurones. J'obtiens deux valeurs qui vont être associées au Q-value à chacune des actions. Je prends l'action associée à la Q-value maximale, donc je prends cette action. J'obtiens un nouvel état S', donc qui est une nouvelle image. Je lui fais traverser le réseau de neurones. Et
Et à partir de la Q-value maximale de ce prochain état, je peux recalculer l'équation de Bellman avec le reward que j'ai récupéré, plus le gamma multiplié par la Q-value maximale associée aux actions de ce nouvel état. Et donc finalement, je vais mettre à jour ma Q-value par rétropropagation et non plus par mise à jour de ma table. Donc j'utilise l'algorithme de rétropropagation de n'importe quel réseau de neurones pour mettre à jour ma Q-value en fonction de la Q-value maximale du prochain état. Donc toujours la même chose. J'essaie toujours d'avoir une stratégie optimale pour gagner la partie, donc pour avoir une récompense maximale, mais j'ai juste besoin de savoir ce qui se passe à l'état suivant pour mettre à jour mon état à l'instant T. Un petit coup de démo. Donc mon Flappy Bird, au début, bah, il est complètement débile, hein. En fait, il a aucune information. J'ai fixé mon réseau de neurones avec des valeurs aléatoires, et donc il va prendre une action qu'il juge être optimale d'après l'information qu'il a à cet instant T. Donc là, il se rend compte que s'il va toujours vers le haut, à chaque fois, quelle que soit la hauteur du pipe, il obtient une valeur, une récompense totale de 10, par exemple, avant de recommencer une nouvelle partie. Donc il se dit, bah moi, c'est la meilleure information que j'ai au monde, je vais toujours faire la même chose, peu importe mon information, et donc je suis toujours certain d'obtenir 10 points. En utilisant, comme l'expliquait Samé, la notion de l'algorithme d'Episode Greedy, donc pour ajouter de l'aléatoire dans les actions qui sont choisies, je vais lui faire explorer l'espace, et peut-être qu'à un moment, il va traverser le pipe et obtenir une récompense supérieure. Et donc il va se dire, ah, c'est peut-être pas la meilleure idée de faire toujours vers le haut. Donc au bout de 60 000 time steps, on voit qu'il arrive à peu près à traverser le premier pipe. Il se dit, ah, je vais gagner plus de points en traversant ça. Donc si le pipe est un peu trop haut, des fois il galère, hein, mais en général, il arrive à traverser la première pipe. Par contre, pour la suite, il n'y arrive pas du tout. Il a du mal encore à capter, à processer l'information qui se passe à la suite de mon image. Au bout de 200 000 itérations, là, je suis un agent beaucoup plus intelligent. J'arrive quasiment systématiquement à traverser les premiers pipes. Des fois, de temps en temps, à aller plus loin. Par contre, j'ai toujours encore un petit peu de mal à finalement prendre une action optimale à un instant T pour faire traverser le premier pipe, mais aussi les suivants. Donc, de temps en temps, je me plante parce que j'ai pas forcément pris la bonne action initialement. Et au bout de 2 390 000 time steps et 39 heures de calcul sur mon Mac, j'obtiens un agent complètement intelligent par rapport à cet environnement. C'est-à-dire qu'il arrive à processer l'information pour passer ce pipe, mais aussi prendre l'action qui va bien pour savoir que les prochains pipes, il faut aussi les passer pour maximiser son gain. Donc peut-être que je vais faire un petit coup de flap en plus pour aller plus haut, pour traverser mon pipe et finalement être optimal pour les prochains à traverser. Et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure où j'explore un petit peu mon espace et je converge vers une stratégie optimale, j'obtiens un Flappy Bird complètement intelligent et ça n'a pas de prix. Alors, voilà. Non, c'est moi. Non, mais je voulais parler. Donc là, je vous ai expliqué le principe de comment j'approxime le Q-learning avec des réseaux de neurones. Finalement, il y a quelques petites choses en plus à savoir pour vraiment converger, notamment la notion de expérience replay. Si je processe l'information telle quelle, frame par frame, je vais peut-être tomber sur des minima locaux. En fait, un réseau de neurones, pour l'entraîner, en général, on ne lui donne pas une image, on lui donne un batch d'images. Le batch d'images, si je prends toutes les transitions successives de mon agent, les images sont fortement corrélées. Et donc, quand je fais processer cette information à mon réseau de neurones, je peux tomber dans des minima locaux. Pour casser cette similarité, je vais utiliser la notion de mémoire. C'est-à-dire que je vais enregistrer dans une mémoire différentes transitions que j'ai déjà réalisées. Et pour processer l'information à mon instant T, je vais en plus piocher dans ma mémoire d'autres transitions que j'ai déjà réalisées pour casser cette similarité entre les différentes frames et donc processer l'information de mon réseau de neurones. Ça, c'est une manière pour optimiser la convergence et donc obtenir un agent complètement intelligent. La deuxième chose, Samuel l'a déjà expliqué, c'est la notion d'exploitation-exploration. Si je suis coincé comme à mon état de départ, comme vous l'avez vu, où mon agent il va toujours vers le haut, là c'est parce que mon information à l'instant T n'est que partielle. Je n'arrive pas à processer suffisamment bien l'information. Et donc je prends l'action qui maximise mon gain à partir de ma connaissance actuelle, c'est-à-dire je vais toujours vers le haut, je gagne toujours 10 points, je suis content. En faisant explorer de manière volontaire l'espace, je vais tomber des fois sur des choses qui vont me faire perdre, mais des fois je vais traverser le pipe et donc gagner une récompense plus intéressante et donc mettre à jour ma stratégie optimale. Au fur et à mesure du temps, je vais converger vers cette fameuse stratégie optimale et donc faire décroître mon epsilon pour finalement, à la fin, n'avoir que de prendre l'action qui maximise ma Q-value.
Donc, dans une phase d'exploration, même si je prédis flap avec seulement 12% d'accuracy, bah, je vais dire non, tu fais ce flap, tant pis pour toi. Et donc, au fur et à mesure, je vais converger vers une stratégie optimale. Voilà. donc voilà, là on a vraiment essayé de vous montrer comment implémenter le reinforcement learning et aussi le deep reinforcement learning à travers des exemples simples. Mais là pour finir, on va essayer quand même de vous montrer des exemples d'applications dans la vie de tous les jours. Ça et donc, c'est une vraie application. Oui. Tu voudrais vous présenter ça? Alors, tu aimes y bien a, les jeux? vous avez peut-être déjà entendu parler, y a, bah, c'était l'année dernière, il me semble, l'équipe de DeepMind AlphaGo qui a vaincu le champion en titre du jeu Go qui est Lee Sedol. Et donc, une partie de la stratégie pour vaincre ce grand champion, c'est par apprentissage par renforcement. Finalement, le jeu Go, on considérait que c'était un jeu tellement complexe qu'on mettrait encore plusieurs années avant de pouvoir battre un humain. Finalement, avec des approches de deep reinforcement learning des équipes intelligentes derrière, on a réussi à battre. Enfin, ils ont réussi à battre le champion. Dernièrement, il y a eu une communication dans la presse disant que Google, ils ont fait un partenariat avec Blizzard, donc le leader de jeux vidéo, pour mettre à disposition des environnements de travail pour entraîner des agents par apprentissage par renforcement. Et donc, ils vont se baser sur le jeu StarCraft 2. Pour mettre à disposition une API pour avoir un environnement de travail pour enfin entraîner des agents. Et donc peut-être que les prochains jeux vidéo vont être entièrement basés sur des agents intelligents par apprentissage par renforcement. Mais bon, l'apprentissage par renforcement n'est pas utilisé que pour les jeux ou les jeux vidéo. Non. Je sais qu'il y en a qui sont très fans, mais il a aussi des applications de notre vie de tous les jours. Par exemple, pour les transports, vous reconnaîtrez sûrement les voitures, les Google Cars. Qui en fait, il implémente aussi un peu de reinforcement learning pour rendre ses voitures autonomes. Mais on peut trouver aussi d'autres applications, par exemple dans le domaine médical, où on va apprendre à une machine, en analysant des images, de diagnostiquer les maladies. Notre application, c'est aussi dans l'industrie, où on va apprendre aux machines comment devenir autonome sur une chaîne de fabrication. Donc il y a quand même des applications qui touchent notre vie tous les jours et qui peuvent aussi améliorer notre business. Un dernier mot sur les outils disponibles pour finalement résoudre ces problèmes d'apprentissage par renforcement. Vous avez à votre disposition une organisation qu'on appelle OpenAI qui met à disposition notamment des environnements de simulation. Donc vous avez plein de jeux possibles, tous les jeux Atari, des labyrinthes et jusqu'à des vrais jeux vidéo, notamment Doom où vous pouvez tuer vos aliens. Donc vous pouvez à utiliser vos propres algorithmes pour tester ces implémentations sur des environnements déjà simulés pour vous. Nous, ce qu'on a utilisé pour notamment la partie Deep Reinforcement Learning, c'est TensorFlow. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre framework qui permet de faire des calculs de Deep Learning, Keras, PyTorch et j'en passe. Donc on a toute une panoplie d'outils à notre disposition pour tester différentes approches, tester d'autres variantes du Q-Learning et donc avoir nos propres agents intelligents. Voilà. Et donc, merci. Vous avez à votre disposition le code source sur GitHub. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Si vous avez des questions.